Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à la finale régionale de ma thèse en 180 secondes. La finale régionale de ma thèse en 180 secondes, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tout est dans le titre, quand même, grosso modo. Déjà, il y a finale. Ça veut dire que c'est un concours. Et ça, c'est important. Ça veut dire que va falloir rentrer dans la compétition, un petit peu, pas trop. Ensuite, il y a ma thèse. Qu'est-ce que ça veut dire, ma thèse? A priori, ça veut dire qu'il faut quand même avoir fait un peu d'études. Oui, un certain niveau. On n'est pas en Italie, hein. Là-bas, ils sont tous, quasiment tous, dottore. Bon, vous allez me dire, en ce moment, ils en ont besoin, un peu, tout petit peu. Donc voilà, il faut être en train de préparer une thèse, être doctorant, c'est un mot que, très connu ici. Et puis, la fin de cet intitulé, c'est 180 secondes. Alors là, tout le monde comprend, hein, aussi, que c'est une question de timing, de rapidité. Et puis en plus que c'est carré carré, hein, c'est 180 secondes, c'est pas une de plus, pas une de moins, c'est pas ma thèse en 5 minutes par-dessus la jambe, façon trop fastoche. Non, c'est pas ça, c'est quelque chose de plus complexe. C'est dans mon vrai métier, la radio, on vous dirait faut faire court. Et faire court, c'est long. C'est long, c'est du travail. Et c'est un travail très particulier. Alors faire simple aussi, c'est compliqué. Faire abordable, faire inattendu, c'est compliqué. Et puis focaliser l'attention, c'est encore plus compliqué. Et parfois on essaye de faire sourire, parce que c'est un petit plus en général. Je ne vais pas vous faire durer la présentation plus que nécessaire. Je vous propose donc sans plus tarder d'accueillir nos 10 candidats de ce soir qui vont me rejoindre sur scène tout de suite. Il y en a qui sont venus avec leurs supporters, c'est très bien. Bravo pour les affiches. Impeccable. Je vous présente donc Arul Shanmugam. Ils ne se sont pas mis dans l'ordre, mais Maxime Chaput, il est là-bas. Héloïse Chekhoury. Jade Christen. Sofiane Horry, Ali Jaffar, Ophélie Lotong, Maréva Payet, Hassina Razoana Manana et Jonathan Turpin. Sous vos applaudissements, messieurs, dames, de l'amphithéâtre bioclimatique. J'ai toujours rêvé de dire ça, sous vos applaudissements. Manque plus que le pantalon de golf, là, façon Jacques Martin, vous savez. Puis Nana Mouskouri aussi, derrière, avec Mireille Mathieu, allez, Frédéric François, Yves Dutheil. Qui ça? Dans le public, vous avez d'autres idées? Non? Peu. Hervé Villard? Viens avec moi, mon petit. Comment tu t'appelles? Écoute, je m'appelle Sofiane. Sofiane Horry. Sofiane. Tu es venu tout seul ou avec ton papa et ta maman? Alors, non, je suis venu avec mes enfants parce que je suis un grand garçon. Mais ils sont ici. Ils sont dans le Ils public? sont là, je pense. Alors, où sont-ils? Salma, Nassim? Ah, ils sont là-bas. Ma femme aussi. Voilà. Ah, bah voilà.
Alors là, normalement, hein, c'est comme ça. Hein, façon caméscope années 80. Bon, aujourd'hui, c'est pas comme ça, c'est plutôt GSM. Non, il n'y en a pas encore qui sont en train de filmer. Parce que vous savez en fait que la cérémonie est en direct sur Facebook Live et qu'elle est aussi, on va la retrouver un peu plus tard sur YouTube, donc ce sera quelque chose de visionnable. Donc, qu'on se mette bien d'accord, le film, c'est le seul usage toléré ce soir pour le téléphone portable. Je dis bien le seul parce que globalement, et je pense que tout le monde peut le comprendre, au milieu d'une présentation comme celle-là, c'est difficile et c'est terrible d'être perturbé par une sonnerie de téléphone, même par des vibrations. Je vous assure que quand on est ici, on entend beaucoup de choses de ce qui se passe dans le public. Donc c'est compliqué et c'est perturbant. Donc s'il vous plaît, mode avion, tout le monde, ça prend 2 secondes. Et c'est important, vraiment, tout le monde. Merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas arrêter ce compteur-là. Ils ont un compteur-là, il y a des compteurs-là pour vous aussi, mais ça, on ne peut pas arrêter. Donc, c'est du direct. Hein, en cas de gros pépin technique, oui, on va arrêter s'il y a un micro qui ne marche pas, si la lumière décide de s'éteindre. Bon, il fera un peu moins chaud, mais ce sera juste un petit peu problématique, donc on arrêtera. Sinon, on ne recommence pas et c'est raté. Merci à tous aussi d'éviter de tousser, hein, pour les mêmes raisons, et puis aussi parce que ça angoisse un peu tout le monde en ce moment. C'est juste bien dit. Qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Une belle chanson, une histoire. Je vais vous raconter une histoire, moi je ne vais pas vous chanter une chanson. Voilà, bon, c'est bon. Ce ne sera pas Caprice, c'est fini. On échappe déjà à ça. Bon, allez, j'arrête de vous embêter. Merci. Sofiane, je vous laisse aller tous en coulisses, histoire de vous préparer un peu et de vous concentrer. Parce qu'il se rapproche en fait le moment où il va falloir convaincre. Il va falloir convaincre un jury, évidemment, des professionnels hein, qu'on va vous présenter dans un instant. Convaincre vos pairs aussi, puisque c'est la nouveauté de l'année, il y a un groupe d'étudiants qui va décerner un titre honorifique. Et puis, ils vont devoir vous convaincre, vous, le public. Bonjour public, comme disait l'humoriste. C'est vrai que le vote du public, c'est un peu comme un concours Miss France. Il y a juste une différence, c'est qu'on ne va pas vous taxer, hein, vos SMS. Vous avez, vous, un petit fascicule, normalement j'ai dû le mettre par là, voilà, sur lequel vous avez les noms des candidats, leur visage pour bien les repérer, et puis 5 lignes hein, pour vous souvenir de ce qu'ils vous ont dit. Donc je vous invite à noter tout ce qu'ils vont pouvoir vous dire. Et puis donc vous avez eu en même temps que ça un jeton qui sera votre carte d'électeur d'une certaine façon. Ça va être un peu à la mode la semaine prochaine. Qu'on vous invitera à la fin des présentations à aller déposer dans le hall de cet amphithéâtre, dans l'urne du candidat que vous aurez préféré. Voilà. Pour entrer un peu plus dans le détail des règles de ce concours, eh bien, j'invite M. Alain Bastide à monter sur scène. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous prendre un micro quand même, ce serait mieux. Le micro rouge. Hop. Voilà. Bonjour. Alain Bastide. Ça y est, ça marche. Oui, normalement, il va marcher. 2, 3. Voilà. Alain Bastide, administrateur de l'école doctorale sciences, technologies et santé. Bonsoir à tous. Voilà. Alors, petite question déjà, MT 180,
faut le rappeler, hein, c'est pas un événement solitaire, on n'est pas tout seul sur notre petite île de la Réunion à faire MT 180. Alors non, en fait, il y a une version anglo-saxonne beaucoup plus ancienne qui date de 2008, si mes souvenirs sont bons. Et en 2015, la CPCNU, donc la conférence des présidents d'université et le CNRS ont décidé de mettre en place MT 180 en France. Et en 2016, pour la première fois, l'Université de la Réunion participait à MT 180. Et aujourd'hui, c'est la cinquième fois qu'on participe à MT 180. Alors MT 180 Réunion, ça s'intègre aussi à un concours qui fait monter hein, au national, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, il va y avoir un jury qui va proposer deux personnes. Donc ça va être les deux prix du jury. Premier prix, deuxième prix. Premier prix, deuxième prix. Okay. Et ensuite, un prix du public. Les deux premiers partiront à la demi-finale en métropole. Les deux premiers, c'est-à-dire le premier prix et le prix du public. Et le prix du public. Si jamais le premier du jury est aussi prix du public, à ce moment-là, le deuxième partira également en métropole. D'accord. Sachant voilà. Que le deuxième peut aussi être prix. Il y en a toujours deux qui partent en métropole. Voilà, il y en a toujours deux qui partent. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner, à part le billet d'avion, parce que je suppose qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. En fait, les premiers ont une prime de 800 euros qu'ils pourront utiliser dans leur recherche ou pour leur insertion professionnelle. Voilà. Et en dehors de ça, c'est quoi le grand gain, finalement, de Mathèse en 180 secondes? Le grand gain, c'est déjà une expérience que tous les doctorants appréhendent le jour J, c'est-à-dire le jour de la soutenance. Ça sera un jour intense scientifiquement, intense personnellement, parce que c'est l'aboutissement d'un certain temps de travail. Et on se retrouvera devant un jury et devant une salle. Et c'est aussi se préparer à ça, se préparer à la soutenance de thèse et à défendre et la défense de sa thèse. D'accord. C'est imprévu, hein. Ça peut arriver en même temps. Voilà, juste préciser qu'il y a 30 régions de France qui participent à ma thèse en 180 secondes. On fait partie de ces 30 régions. Elles vont toutes envoyer ensuite en métropole deux candidats pour la demi-finale. Demi-finale à Bordeaux, c'est ça? Elle sera à Paris, pardon. À Paris, la demi-finale. C'est Paris, je crois. Et ensuite, c'est la finale. Il n'y en aura que 16 qui iront en finale. Et ça sera à Reims. Voilà. D'accord. Et donc, on croise les doigts après, c'est ça? On croise les doigts. L'Université de la Réunion a quand même eu un candidat une année, Florian Guibal, qui est allé plus loin, donc en finale. Très bien. Merci beaucoup, Alain Bastide, qui est l'un des organisateurs de cette soirée. Hein. Peut-être oui. Pas le seul. Pas le seul. Alors, j'ai prévu une petite fiche pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé. Non, c'est interdit, les fiches. Non, pas de fiches. Si. Non, je plaisante. Donc, en fait, il faut savoir que préparer un événement comme celui-ci, en fait, on ne le voit pas parce qu'on arrive, tout est prêt. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à la réalisation de ce projet-là. Et c'est un projet porté par les écoles doctorales, mais surtout par le service de la médiation scientifique. Donc, je pense notamment à Christelle Letellier, Maria Moussadag, Jessica Valaidon, Lucie Vidal, Sylvère Pasquier. Voilà. Et bien sûr, tous les services de l'université donc, qui sont autour de vous, vous ne le voyez pas, mais ils sont tous autour de vous. Je ne vais pas tous les citer, mais en tout, il y en a 7. Et dont les équipes de la DRIVE, la nouvelle direction du soutien à la recherche, innovation et valorisation des partenariats. Voilà. Merci. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Vous verrez également... en orange, des collègues qui sont habillés avec un petit polo orange sexy. Bien répartis dans la salle. Voilà. Les ouvreuses, les ouvreurs. C'est les collègues du pôle recherche et des autres services qui participent à l'organisation et qui sont là pour vous accompagner et vous aider dans cette soirée. Eh bien, on va les applaudir et puis vous applaudir aussi. Je vous remercie. Sous vos applaudissements, selon la formule consacrée. Passez une très bonne soirée. Il y a des candidats très valeureux et qui sont très très bien. J'ajoute un petit détail tout à fait pratique. Vous ferez
très attention. Si jamais vous devez quitter la salle pour un instant, notamment dans le noir, il y a des escaliers ici qui sont un peu particuliers, il faut se méfier. Toutes les marches ne sont pas exactement de la même taille, donc s'il vous plaît, il y a déjà eu des accidents. Faites un peu attention. Merci beaucoup, Alain Bastide. Merci. Je dois vous dire aussi que dans cette salle, bon, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, il y a bien sûr un jury hein, qui va départager nos 10 candidats de la soirée. Jury qui ne pourra pas mettre 10 à tout le monde comme dans l'école des fans, justement. C'est la grosse différence. Jury qui va statuer avec une grille d'évaluation. Donc, esprit de synthèse, originalité, aisance orale et puis bien sûr, capacité de vulgarisation, puisque 180 secondes, l'idée, hein, c'est évidemment pas de vous faire la thèse en intégrale, c'est de vous la faire comprendre. Et donc, c'est tout ça, à la fois, qui va être pris en compte. Alors, ce jury, il est composé ce soir, et je vous demande de les applaudir très fort, d'Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Vous l'avez déjà vu à la télé. D'Anne-Laure Morel de Torscal. Mon bon frère Olivier Danguillaume du Quotidien. De Gaël Potin, qui est directeur du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion. Et de Norbert Naranin, artiste circassien de la compagnie Cirque Craqué. Merci à eux. Dans ce concours, il y a donc aussi un prix du jury étudiant qui va être remis par et analysé aussi par des étudiants de la licence professionnelle métier de la communication et du diplôme universitaire Sciences Plus. Donc parmi ces membres du jury qui sont assis ici, Marvin Ramos U. Laura Ouaro, Ahmed Souban, Jordan Laipé et David Joliot. Voilà, ça y est, enfin, il est l'heure de commencer. Bonne chance à tous les candidats et j'appelle et je lui souhaite la bienvenue à Jade Christen. Bonsoir Jade. Bonsoir tout le monde. Jade qui nous vient du laboratoire IRIS. Son sujet de thèse, c'est identification de biomarqueurs pour la détection précoce de la chute chez l'homme. C'est à vous. Mesdames et messieurs, l'heure est très grave. D'ici quelques années, eh bien, nous allons vieillir. Vous allez me demander, mais pourquoi avoir dit grave ? Ce n'est pas tant le fait de vieillir qui soit grave, mais son rôle dans l'augmentation du risque de chute. Non, je ne parle pas de chute de cheveux ou de dents, hein, mais de la chute elle-même. Cette action de tomber, de perdre son équilibre et d'être attiré vers le sol par son poids sous l'effet de pesanteur. Ce sont en fait ces chutes qui possèdent des conséquences graves. Perte d'autonomie, hospitalisation et dans les cas les plus graves, le décès. Vous allez me demander encore, mais pourquoi, lorsque nous vieillissons, nous augmentons nos risques de chute ? Eh bien, le vieillissement fragilise notre corps. Nous voyons moins bien. Nous avons moins de force, moins de mémoire. Quoi ? Vous vous reconnaissez ? Bon, vous vieillissez peut-être plus vite que je le pensais. Bon, heureusement pour nous, nous allons voir la vie en rose. Arthrose, ostéoporose, fibrose. Ce sont toutes ces altérations citées sur notre corps, notre cerveau, nos muscles,
et nos sens qui impactent notre équilibre et augmentent nos risques de chute. Mais comment ces chutes apparaissent-elles ? Ma thèse a pour but de répondre à cette question. Plus précisément, je cherche à identifier et à comprendre les mécanismes qui expliqueraient la chute. Telle une détective munie de sa loupe, je cherche des indices sur notre corps capables de détecter qu'une chute va se produire. Ces indices sont appelés dans mon jargon des biomarqueurs neurophysiologiques pour le cerveau et biomécaniques pour le corps. Une fois ces biomarqueurs récupérés, ils vont me permettre de créer un algorithme de détection précoce de chute. Bon, voyez-le plutôt comme une formule mathématique très complexe dont le but est d'anticiper la chute. Mais cet algorithme va me permettre de développer une solution technologique portable basée sur le principe du système d'automatique de freinage de voiture. Vous savez, ces systèmes capables de prédire, d'anticiper des situations d'urgence et d'activer le système de freinage afin d'éviter une collision. Eh bien, le second objectif de ma thèse est de créer ce même genre de mécanisme, mais sur l'homme. Parce qu'au final, l'intention de mon projet est de nous prévenir de la chute pour que, lorsque nous tomberions d'une chute, la chute ne soit pas notre tombe. Merci. Merci Jade, bravo. Ça va, ça s'est bien passé? Pas plus que bien, le stress est redescendu. C'était pas trop dur de passer la première? Non, ça va. Juste une précision, combien d'heures? Juste pour imaginer cette présentation et la façon d'aborder les choses. Pour moi, beaucoup d'heures. J'ai pris au moins une bonne semaine avant de mettre un... tout au carré. En mots le texte. Et après beaucoup de travail. Exactement. Bravo. Merci. Merci. Jade Christen. On va enchaîner avec la deuxième candidate, Ophélie Lotong, mesdames, messieurs. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Vous nous venez du laboratoire DECIMB. Votre sujet de thèse, c'est la modélisation de voies métaboliques pour la production de molécules d'intérêt. C'est bien cela. Merci. Il était une fois, dans une ville tranquille, se trouvait une grande usine de canne à sucre. Un beau jour, le réservoir de déchets produits par cette usine explosa et des tonnes de déchets se répandirent à la surface de toute la ville. Et même s'ils étaient biodégradables, il y en avait tellement que les gens ne pouvaient plus y circuler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était qu'un héros allait se lever pour les aider. Ce héros, il est minuscule, que dis-je ? Il est microscopique. C'est un petit microbe vivant confortablement dans nos intestins qui porte le doux nom d'Escherichia coli, ou E. coli pour les intimes. E. coli avait un rêve, sortir de son confort et débarrasser la ville de tous ses déchets en les transformant en plastique biodégradable, en tissu ou encore en biocarburant. Malheureusement, bien qu'il soit capable de transformer tous ses déchets, il prenait beaucoup trop de temps pour le faire. Il avait besoin d'aide. C'est comme cela qu'il fit appel à une scientifique. Une scientifique qui l'aiderait à se transformer en ce super-héros qui sommeillait en lui, Captain E. coli. Il pourra alors sauver la ville. Eh bien, vous savez quoi? Cette scientifique, c'est moi. Mon travail consiste à analyser tout ce qui se passe à l'intérieur de ce micro-organisme et le modéliser. Autrement dit, le reproduire sur mon ordinateur. Et oui, j'analyse son métabolisme, c'est-à-dire comment il mange, comment il respire, et bien plus encore, j'inspecte chacune des réactions, en partant de celle où E. coli ingère la molécule de déchets, jusqu'à celle où la molécule est complètement changée. Et j'évalue ainsi à quelle vitesse il va dégrader une certaine quantité de déchets. Enfin,
Après de longues heures de calcul, je prédis quel changement, quelle mutation génétique effectuer pour le transformer. Ensuite, il pourra alors détecter plus rapidement les déchets, en détruire beaucoup plus et même les réduire en molécules réutilisables. Mais pourquoi ne cibler qu'un seul micro-organisme, direz-vous ? Pourquoi ne faire qu'un seul super-héros ? Eureka ! Mais oui, vous avez raison ! Je vais mettre au point mon programme afin qu'il puisse analyser le fonctionnement de n'importe quel micro-organisme, faire des mises en situation et prédire les changements à faire pour les transformer. Car qui sait si nous aurons besoin d'une incroyable équipe de super-héros un jour ? Ophélie Lotong. Parfaitement dans les temps, et même durable. Merci pour cette présentation. Même question, hein, beaucoup de répétitions avant. Beaucoup de répétitions avant. Avec qui ? Alors, tout d'abord avec Benoît, donc toute l'équipe, avec les doctorants, ce qui nous permettait d'avoir beaucoup de retours, beaucoup de critiques sur ce qu'on faisait, donc c'était génial. Et ensuite, toute seule devant le miroir. Hein, et ah puis, oui, le miroir, carrément. Voilà, le miroir. Et à la fin, les parents, le test final, c'est les parents. D'accord, les complices principaux. D'accord, merci beaucoup, Ophélie. Merci à vous. À tout à l'heure. Notre troisième candidat, c'est Arul Shanmugam. Bonsoir Arul. Bonsoir, bonsoir. Vous venez du laboratoire Piment. Exactement. Et vous allez nous parler de votre thèse sur le traitement des micropolluants prioritaires et émergents par charbon actif à partir des biomasses à l'île de la Réunion. Tout à fait. C'est à vous. Vu de l'espace, la Terre paraît assurément bleue. De nos océans jusqu'à dans l'air que vous respirez, l'eau est omniprésente. Pourtant, seulement 1% de toute l'eau de la planète est accessible à la consommation humaine. C'est-à-dire que si nous devions faire une simple analogie, et je vais vous demander de bien vous observer, de bien vous rendre compte de l'étendue de cet amphithéâtre, si chacun de vous représentait toute l'eau de la planète, seules 4 personnes et demi seraient les garants du futur de l'humanité. Alors oui, l'eau est fondamentale à la vie, mais elle est également le liant qui consolide les fondations de notre société. C'est par sa présence, à travers les cours d'eau, qu'ont vu naître maintes civilisations. Et c'est également par son absence qu'ont émergé des conflits. Alors cette eau, nous devons la protéger. Ces dernières années, notre attention s'est portée sur une pollution discrète, les micropolluants, des substances chimiques invisibles, présentes à de très faibles concentrations, mais restent néanmoins toxiques pour nous et notre environnement. Ce sont des pesticides, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds et bien d'autres. Alors une première partie de mon étude consiste donc à développer des méthodes analytiques afin de pouvoir identifier, détecter et quantifier ces composés. Mais ce qui vous préoccupe, j'imagine, c'est de savoir comment retirer ces micropolluants de nos eaux. Alors il existe plusieurs procédés, dont un tellement ancien qu'il devient difficile de le dater. Car oui, les civilisations passées étaient déjà soucieuses de la qualité de leur eau. Ce procédé, encore utilisé de nos jours, s'appelle l'adsorption. C'est le phénomène par lequel des molécules contenues dans un fluide viennent se fixer sur une surface solide. Pour faire simple, imaginez un adhésif sur lequel viendraient s'agglutiner nos micropolluants. Et l'adhésif le plus utilisé, malgré son apparence, c'est le charbon actif. Cependant, à La Réunion, le charbon actif est importé, alors que notre île et la mer qui l'entoure regorgent une grande diversité de matériaux n'attendant qu'à être valorisés. Alors un dernier effort de ma part consiste donc à identifier ces matériaux d'intérêt, à les transformer, afin de vous proposer un charbon actif efficace et éco-responsable. Enfin, pouvoir détecter et éliminer les micropolluants des eaux, c'est une chose. Mais le vrai défi, notre défi,
face aux urgences environnementales. C'est de pouvoir accompagner le changement de notre société à une consommation plus responsable de notre eau. Il en va de notre survie, naturellement, mais également de notre cohésion sociale. Car ce qui nous maintient en vie, ce qui nous maintient unis, rappelez-vous, c'est ce 1%. Merci. Arul Shanmugam. Très bien. Bravo, merci. Il y avait un peu de trac, j'ai pas eu l'impression. Si, un peu de nervosité, mais j'essaie de bien le cacher, il n'y a pas de souci. Le chrono, ça se gère bien? Ouais, il me restait 4 secondes, donc j'étais dans les temps. Ouais. Ah, mais vous l'avez regardé tout le long? Non, non, j'ai des repères quand même. J'essaie, il y a des petits repères. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une technique. Hein. Exactement. D'accord, ok. Et les silences aussi, c'est calculé? Comment ça se passe? Les silences sont calculés, en effet. Vous voyez quand on vous dit que c'est une technique. Merci à vous. Très bien, merci à vous. Bravo. Notre prochain candidat s'appelle Jonathan Turpin. Je vous demande de l'accueillir. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Vous nous venez de l'UMR PIMIT. C'est ça. Et votre sujet de thèse, c'est interaction hôte pathogène au cours de l'infection Zika, ou comment le virus manipule les réponses et la mort des cellules. Tout à fait. Vous avez la parole. Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses négatives sur les virus. Corona. J'aimerais qu'on remette certaines choses en perspective. Ces virus ne sont pas toujours aussi dangereux qu'on ne le pense. Par exemple, pour le type de virus que j'étudie, on estime qu'une personne sur 3 seulement aura des symptômes après l'infection. Souvent, ce sont des personnes un peu plus fragiles, comme des petits vieux. Du coup, moi, ça me donne une idée, moi, pour cette histoire de réforme des retraites, mais on ne me demande plus mon avis. Revenons au virus. Vous rendez-vous compte, ces virus n'ont juste rien demandé, surtout Zika, un cousin de la dengue. Mais non, pas votre voisine, le virus. Je vais vous raconter son histoire et vous jugerez ensuite du sort qu'il mérite. Donc imaginez-vous, ces virus naissent et grandissent en harmonie dans des cellules animales, dans des forêts tropicales. Ils sont nourris, logés, et de temps à autre, ils voyagent. Toujours en groupe, d'animal en animal, grâce aux insectes, et ici un moustique. Un jour, ils prennent le mauvais moustique, et ils finissent dans un nouvel animal, un nouvel hôte, un être humain. Et là, pour s'installer, il va falloir payer. Démunis dans ce nouvel environnement, Zika imagine le pire. Il va braquer la cellule humaine, ou comme j'aime à l'appeler, la casa de papel, la casa de la selle. Et c'est là que j'interviens. J'essaie de comprendre comment la cellule humaine, la casa de la selle, réagit à ce braquage et comment le virus Zika s'adapte à ce nouvel environnement. Parce que s'adapter, ça, il sait bien faire. En effet, voyageant toujours en groupe, ils peuvent compter les uns sur les autres et être parés à toute éventualité. Déjà, Zika sait que pour réussir son braquage, il va falloir faire le moins de dégâts possible pour passer inaperçu. Parce que braquer le coffre de son nouvel hôte n'est pas sans conséquence. En effet, la casa de la selle regorge de moyens de défense, dont l'ultime recours est l'autodestruction. Le suicide de la cellule, quoi. Cette autodestruction programmée mettrait un terme précoce au projet d'expansion du virus Zika. Mais le groupe a déjà anticipé cette éventualité. En effet, mes résultats montre que le virus Zika est capable de retarder cette implosion pour qu'il puisse fuir avec un maximum de butin. Donc les composants qui formeront les nouveaux petits virus Zika. Et là, vous vous dites que ce virus Zika, eh ben, il a bien profité de vous. Mais rappelez-vous que s'il en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le choix. Ou alors, c'est ce qu'il me dit en prévoyant son prochain braquage. Merci, Jonathan Turpin.
Et bravo, c'était pas facile, c'était dans les temps, tout allait bien. Dites-nous juste, qu'est-ce qui est le plus difficile à vulgariser? C'est le sujet de la thèse, c'est les applications futures qu'on peut en avoir, c'est quoi? C'est surtout de ne pas omettre et de ne pas faire de trop gros raccourcis dans ce qu'on raconte. Mais sinon, quand on prend assez de recul, ça devient assez facile. Il faut qu'il y ait une vérité scientifique qui reste. Ça. Il faut quand même qu'il reste une vérité scientifique. Voilà. Les jurés le savent très bien et ils y sont très attentifs. Merci Jonathan. Merci à l'heure. Notre cinquième candidate, c'est Hasina Razawamanana qui nous rejoint. Bonsoir Hasina. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ah, c'est stratégique ça. Hein, elle se met le public dans la poche. Elle vient de l'UMR PVBMT, c'est bien ça, c'est comme ça qu'on dit. Et votre sujet de thèse, Hasina, c'est biologie des populations du complexe d'espèces Ralstonia solanas et arum à Madagascar et dans le sud-ouest de l'océan Indien. J'espère que vous allez nous expliquer tout ça. Toto est un cultivateur de pommes de terre. Un jour, lorsqu'il se promène dans son champ, mauvaise surprise, la majorité de ses plants de pommes de terre ont flétri. Lorsqu'il observe également les champs de ses voisins, il constate le même problème. Des plants de pommes de terre flétris un peu partout. Une question se pose alors, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces flétrissements ? Pour répondre à cette question, nous sommes descendus sur terrain rencontrer des producteurs comme Toto. On a collecté des tiges issues des plantes flétries et on les a amenées au laboratoire pour analyse. Après diagnostic, on a su que ces flétrissements étaient dus à une bactérie appelée Ralstonia. Ralstonia est une bactérie qui vit dans le sol. Elle pénètre dans la plante via ses racines, prolifère dans la tige et produit une substance qui va finir par boucher le canal de circulation de la sève, entraînant un flétrissement irréversible de la plante. Ralstonia attaque environ 450 espèces végétales différentes et elle est considérée comme étant la deuxième bactérie attaquant les plantes la plus nuisible au monde. Dans le cadre de ma thèse, je vais effectuer en premier lieu une étude épidémiologique. Pour cela, on a développé un outil moléculaire qui permet de différencier les types de Ralstonia en analysant des fragments de leur ADN. Ensuite, nous allons étudier la dissémination de ces types de Ralstonia dans les parcelles. En second lieu, nous allons étudier l'influence de la bactériocine, qui est une substance tueuse ou inhibitrice de croissance, pouvant donner un avantage compétitif à certains types de Ralstonia par rapport à d'autres. En troisième lieu, nous allons inoculer différentes variétés de plantes comme la tomate, la pomme de terre, l'aubergine, afin d'identifier de potentielles variétés résistantes à Ralstonia. La finalité de ma thèse est de contribuer à la gestion de cette bactérie. Pour cela, nous allons proposer des mesures préventives limitant sa propagation dans les parcelles, par exemple avec un contrôle plus strict des transferts de matériel végétal. Ma thèse va également contribuer à l'identification de variétés qui résistent à Ralstonia, car la résistance variétale est le moyen de lutte le plus efficace contre cette bactérie. Bref, avec ma thèse, je souhaite apporter ma part de contribution dans la lutte contre Ralstonia. Hasina Razawamanana. Merci. Ça a l'air d'être bien parti. Hein. Vous avez apporté votre contribution, manifestement, puisqu'on est nombreux à avoir un peu plus compris.
C'est une amie, Ralstonia, c'est ça ? Parce que vous en parlez comme d'une amie. C'est plutôt un ennemi de culture, un ennemi de Toto, un ennemi de ses producteurs. Qui mais une amie de la victime. Doctorante. Oui. Un petit peu quand même. Mon ennemi en tout cas. Bon, d'accord. Dites-nous juste comment ça se passe dans les coulisses là. Parce que vous êtes déjà la cinquième, donc il y en a quatre qui sont déjà passées. On s'écoute ou on se bouche les oreilles ? On s'écoute et surtout, c'est très amical parce qu'avant de passer, ils m'ont tous encouragé, ils m'ont tous aidé à me relaxer, donc voilà, je la remercie. Maintenant, c'est à votre tour d'aller faire pareil pour les cinq qui restent, enfin les quatre qui restent, parce qu'il y en a un qui va monter sur scène. Et celui qui va monter sur scène, c'est Ali Jaffar. Bonsoir Ali. Bonsoir. Vous venez de l'UMR Détroit et vous allez nous parler de neuropathie diabétique, exactement. Rôle de la dérégulation du métabolisme lipidique dans le développement de la pathologie. C'est ça. Merci. Quand on pense à la neuropathie, quand on pense à la douleur, on pense souvent à quelque chose de négatif. Une maladie qui fait souffrir. Peut-être une migraine, un lumbago ou encore des hémorroïdes. On pense aussi à la douleur d'un doigt coincé dans une porte ou encore un petit orteil qu'on s'éclate contre le coin d'un meuble. Aïe, aïe, aïe. Imaginez si on ne ressentait plus la douleur. Vous vous dites que ça serait le pied, non ? Eh bien, c'est ce que vivent les personnes atteintes de neuropathie diabétique. Au moins dans leur extrémité. Et ne plus rien ressentir dans ses extrémités, c'est plutôt gênant. Si vous voyez ce que je veux dire, enfin... Je parle des membres inférieurs. Inférieurs du bas, comme le pied, bien sûr. Pourtant, cette perte de sensation chez le diabétique, ça peut même carrément leur coûter une jambe. Comment ? Imaginez que comme un diabétique atteint de neuropathie, vous ne sentiez plus un simple caillou dans votre chaussure. Vous vous blesseriez sans même vous en rendre compte. Pas de douleur. On pensait que c'était le pied. Eh bien non, c'est plutôt la jambe de bois. Car une blessure qui s'infecte, c'est la gangrène et l'amputation. Alors ce pied, si mal aimé, loin des yeux et loin du cœur, est aussi loin du cerveau. Si loin que les nerfs des diabétiques ne lui transmettent plus les signaux de la douleur. Pour ma thèse, je ne propose pas de massage avec une crème régénératrice pour faire repousser les pieds. Ça ne marche pas. Je n'inspecte pas non plus les chaussures des diabétiques pour voir s'il y a des cailloux, non, non, non. Mon travail, c'est de mieux comprendre cette maladie sournoise qu'on ne sait pas encore soigner. Quand on dit neuropathie diabétique, tout le monde pense au sucre, qui va aller se déposer un petit peu partout, en imaginant plutôt des nerfs caramélisés. Et un traitement logique serait donc de contrôler le taux du sucre dans le sang, non ? On sait le faire, mais malheureusement, ça ne suffit pas. La maladie progresse quand même. Et celle-là, que j'interviens. Le prince Ali arrive du Liban sur son tapis volant. Yalla bina yalla. Si ce n'est pas le sucre, c'est donc le gras. On se serait trompé de coupable. C'est du moins notre hypothèse. Imaginez une course de Formule 1 avec un circuit allant du pied au cerveau. Top départ. Après quelques tours, ça commence à bouchonner lors du passage au stand. Pas de problème pour faire le plein de sucre, on est à Diabetland. Mais les flaques d'huile ralentissent les voitures messagers, c'est la panique partout et le message de la douleur ne passe plus. Alors, vous connaissez maintenant, l'objectif de ma thèse, c'est de comprendre comment se vit l'ingrat pour y conduire à la perte de sensations chez le diabétique. Et si comme moi, vous aimez avoir des sensations dans vos extrémités, et si vous aimez avoir mal, je ne juge pas, profitez-en bien et prenez votre pied. Enfin, s'il vous en reste. Merci. Ali Jaffar. Merci beaucoup. Écoutez bien, c'est Diabetland qui vous applaudit. Oui, c'est ça, c'est là-bas. Dans la salle, il y a forcément des futurs doctorants. Je voudrais juste que vous nous disiez, Ali, que vous leur disiez à eux pourquoi il faut faire ma thèse en 180 secondes l'année prochaine. Ok, bah là pour moi déjà, c'était un double challenge parce que moi je suis libanais, je suis le français.
Merci. C'est le diaspora libanais, il n'y en a que 10 ici à La Réunion, donc c'est pas grave. En fait, pour moi, c'était un double challenge, parce que déjà, le français, c'est pas ma langue maternelle, même pas le deuxième, c'est le troisième langue que je parle. Ça se voit pas. Du coup, c'est déjà un challenge. Et le fait de faire ça devant tout le monde, je crois que ça aide au niveau personnel, pas forcément au niveau professionnel, dans la thèse et tout. Mais ça reste quand même une très belle expérience. Franchement, j'encourage tout le monde de le faire, tous les doctorants. Mais c'est une très, très, très belle expérience. Vous avez entendu. Merci les doctorants. Donc, les candidats pour l'année prochaine. Merci, Ali. Merci. Notre prochain candidat, c'est Sofiane Ori. Il arrive. Bonsoir. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Sofiane. Et vous arrivez du laboratoire LCF. Okay. Vous avez une thèse dont le sujet tient sur 4 lignes. Attention, c'est parti. Approche anthropologique du développement des compétences cliniques transculturelles de l'archipel des Comores, de la simulation d'entretiens médicaux à la transposition didactique des pratiques thérapeutiques traditionnelles, un dispositif innovant. Aujourd'hui, c'est les vacances. Alors, je vous emmène en voyage. Nous allons poser nos valises dans l'océan Indien, sur l'archipel des Comores, également appelée Juzur al-Qamar, les îles de la Lune. Elle est composée de 4 îles, la Grande Comore, Mouelli, Anjouan et bien sûr l'île de Mayotte qui depuis 2011 est le 101e département français. Cet archipel regorge de croyances qui rythment la vie quotidienne des habitants. Et ça, c'est mon point de départ. Je vous ai bien dit que nous étions en vacances. Alors laissez-moi vous inviter à boire un verre. Un cocktail de croyances, ça vous dit? Je vais mettre dans mon checker une mesure de croyance d'origine arabo-islamique, une demi-mesure de croyance animiste d'Afrique de l'Est, d'origine bantoue, et enfin, une pincée de croyance malgache. Il faut bien secouer, et ça y est, c'est prêt. Mais je vous en prie, buvez. Vous avez maintenant en vous une partie de ces croyances, cette tradition et cette culture comorienne. Mais je vous rassure, je ne suis pas magicien, je suis juste un apprenti fundi, un fundi muadjini. Le maître des djinns, des esprits. C'est un peu comme un médecin, sauf que le médecin, c'est le maître des bactéries et des virus, on dira. Enfin, c'est vous qui le dites. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Ah oui, je prépare une thèse en anthropologie. Et ma problématique est qu'une partie non négligeable des professionnels de santé ont des difficultés à poser un diagnostic médical lorsque le patient exprime sa maladie à travers ses croyances. C'est un enjeu de santé publique, je vous l'assure. Et au-delà de ça, un enjeu de vivre ensemble. Alors j'ai fait un pari un peu fou. Prendre mon sac à dos, me rendre aux Comores, à Mayotte, et ici même, à l'île de la Réunion, pour rencontrer et apprendre auprès de ces Fundi Muadjini. Mon objectif, recueillir l'ensemble de ce savoir thérapeutique traditionnel pour le mettre à disposition des professionnels de santé dans une application smartphone. Et oui, j'ai appelé ça de l'anthropologie 2.0. Et enfin, mettre en action ces savoirs thérapeutiques dans un dispositif de simulation d'entretien médical. Alors, comme vous le voyez derrière moi, j'ai formé de véritables patients acteurs. Enfin, de vrais faux patients. Si vous voulez mon avis, de véritables comédiens qui mériteraient presque un César, ou même un Oscar. En résumé, la conception de cet outil permettrait aux professionnels de santé d'avoir un nouveau savoir pour établir un diagnostic médical plus adapté. Vous savez, distinguer la norme culturelle de la maladie. Et enfin, permettre une véritable alliance. On appelle ça une alliance thérapeutique. Une alliance forte entre le patient et le soignant. On m'a souvent dit, faites un pas vers l'autre. Il en fera 100 envers vous. Ça y est, ce long voyage, à travers les traditions, les croyances et la culture comorienne, aura duré 180 secondes. Merci beaucoup. Ali Jaffar. Sofiane Ori. Ali Jaffar qui nous a fait donc voyager. Sofiane Ori, pas Ali Jaffar. Mais non, mais où est Sofiane? Bon, mais pourquoi? Ali Jaffar, il est libanais et moi je suis algérien, oui. Donc ça va pas le faire. Hein. Mais non, pourquoi? C'est pas grave, je vous pardonne.
Oui, Sofiane. Sofiane, vous nous avez fait voyager aux Comores. Pourquoi les Comores ? Les Comores, pourquoi ? Parce que déjà, bah, c'est une île riche, c'est une île intense. C'est une île riche de croyances. J'ai constaté dans ma pratique de soignant, je travaille au CHU donc, de La Réunion, dans un dispositif clinique transculturel, et je me suis souvent aperçu que les populations qui venaient des Comores n'étaient pas comprises, à juste titre, parce qu'on ne parlait pas le même langage, mais on n'avait pas les mêmes usages de leur langage. Alors je me bats pour établir ce véritable usage, tout simplement. Merci beaucoup. Bon, tout à l'heure, c'est sur elle que je m'étais trompé de nom. Maintenant, c'est au tour de Maréva Payette. S'il vous plaît. Maréva. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Maréva. Vous venez du laboratoire Piment. Vous c'est aussi. Votre sujet de thèse, c'est développement d'une méthode de prédiction de l'impact des usagers sur les consommations de bâtiments tertiaires à faible impact environnemental en zone tropicale. Je crois qu'on y est. Je prépare ma thèse au sein d'un bureau d'études. Notre rôle est de concevoir des bâtiments qui consomment le moins possible, tout en créant un cadre de vie confortable pour les usagers. Nous essayons, dès la conception, de prédire les consommations. Le problème, c'est que même lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, l'homme n'est jamais satisfait. Il est imprévisible et prend des décisions en fonction de paramètres personnels, sensibilité, métabolisme, et de paramètres environnementaux, température, vitesse d'air, humidité. Tous ces facteurs font que chacun ne réagira pas de la même façon dans un même environnement. Imaginez mon bâtiment bioclimatique. C'est l'entreprise où travaille Huguette. Nous sommes en été, il fait beau, et Huguette apprécie la petite brise qui traverse son bureau et qui vient caresser sa peau. Elle se sent bien. Le patron d'Huguette, c'est Raymond. Lui aussi se sent bien, mais pour ça, il a besoin de rajouter des brasseurs d'air, car dans son costard-cravate, il a souvent plus chaud que tout le monde. D'un coup, une voiture passe, klaxonne, bip bip, et vient perturber Raymond. C'est terrible! Lui qui a horreur du bruit, il n'est plus en situation de confort. C'est terrible! Il va alors fermer les fenêtres, chercher d'autres moyens disponibles comme la climatisation. Tout ça pour retrouver son petit bien-être personnel. Hélas, nous, en conception, nous n'avions pas anticipé les actions de Raymond. Ma thèse consiste à observer, à l'aide de différents capteurs, les actions des usagers et les conditions de température et humidité qui impactent leur confort. Des méthodes statistiques me permettent d'extraire des informations pour comprendre les liens entre comportement et conditions intérieures. Savez-vous que nous, les usagers, nous avons un rôle à jouer ? Comme Huguette, levons-nous, ouvrons les fenêtres. Les bâtiments seront passifs lorsque nous serons actifs. Merci. Merci. Merci à vous. Il fait chaud dans cet amphithéâtre bioclimatique. Ah bon, c'est ça ? C'est à cause de ça, on va le mettre sur le... La température est montée, là, d'un coup. Voilà. Bon, ça arrive, hein. Et puis, c'est pas grave, on est d'accord. Hein. On la rassure. Merci. Vous avez compris ? C'est l'essentiel. Bon, bah, c'est merci. Vrai que... Bah, merci à vous. Et puis, voilà. À plus tard, bonne soirée. On voit ce que c'est, un peu, le bâtiment bioclimatique. Merci, Maréva. Héloïse Chécori. J'ai couru, c'est bien vous sur la photo. Oui, pas de problème. Bonsoir tout le monde. Je suis pas trompé. Bonsoir. Vous venez de l'UMR Détroit. Et votre sujet de thèse tient en quelques mots, ça m'arrange. Étude de la bioactivité des plantes médicinales de La Réunion. Oui. À vous. Je suis née à l'île de La Réunion. Vous savez, cette île aux plages de rêve et aux sommets vertigineux. Vertigineux comme nos taux de cholestérol, le nombre de diabétiques, d'obèses ou de personnes décédées à cause des maladies cardiovasculaires.
Et pourtant, c'est pas de notre faute. Ici, on aime bien manger. Le rougail saucisse, le bonbon de miel, le samoussa, le sucre et le gras ne manquent pas. Pour ce qui s'agit de bouger, on a quand même le Grand Raid. Vous savez, ce trail d'une centaine de kilomètres avec du dénivelé. Ah, je vous assure, il est difficile à finir. Autant pour ceux qui le courent que ceux qui, comme moi, le regardent à la télé. Ici, pour se soigner, on a des médicaments contre le cholestérol, bien sûr, mais on a aussi des plantes médicinales, que j'étudie notamment. Ce sont des trésors de notre biodiversité, utilisés depuis des générations. On les prépare dans du rhum arrangé ou sous forme de tisane. Mais je vous laisse deviner lequel de ces breuvages a le plus de succès. Et pourtant, combien de fables mettent en valeur nos belles tisanes, dont celle-ci que je vais vous raconter. Notre Tigeant, sur une île éloignée, aimait bien trop le grignotage. Docteur Payette, inquiet pour sa santé, tenta de limiter les dommages. À chaque repas, n'avez-vous pas accueilli le cholestérol et sa tribu, qui, bien nichés dans vos artères, sont restés plus longtemps que prévu? N'avez-vous pas entendu les cris de vos globules rouges bloqués par ce vilain cholestérol qui les empêchait de circuler? Face à cela, Tigeant resta sans voix. « Mais comment faire pour limiter les dégâts? J'ai arrêté vos médicaments qui me donnaient tant de douleurs pour me soigner. N'auriez-vous pas une autre recette, docteur ?» Le docteur tenta de lui concocter une tisane magique, connue des tisaneurs et à base de plantes endémiques. Sa mémoire lui faisant défaut, le docteur s'en mêla un peu les pinceaux. Erreur ou génie, notre Tigeant fut guéri, prise de sang à l'appui. Cette tisane miraculeuse existerait peut-être, mais comment retrouver ces plantes aux vertus incroyables dans toute cette biodiversité? Eh bien, c'est là que j'interviens. J'étudie les plantes médicinales de La Réunion. J'en fais des tisanes, j'analyse leur composition chimique et j'extrais leurs principes actifs. Vous savez, ces fameuses molécules qui soignent. Et par des tests biochimiques, j'essaie de comprendre comment ces molécules interagissent avec les cellules du corps humain pour les protéger et empêcher l'apparition de maladies cardiovasculaires. Et qui sait, peut-être qu'un jour, si possible avant la fin de ma thèse, je mettrai la main sur cette tisane et ces molécules qui ont sauvé Tigeant. C'est un travail difficile, je vous l'accorde. Je dirais même un projet semé d'embûches. Mais comme on dit en créole, tipa tipa n'arrivait. Et pour finir, n'oubliez pas qu'à chaque tisane que vous prendrez, le matin ou avant de vous coucher, c'est autant de petits malheurs que vous éviterez à votre cœur. Vous avez noté? Il y a la morale de l'histoire. Héloïse Chécoury, avec des sonorités de Jean de La Fontaine. Merci Héloïse, poétesse donc un peu? Un peu, à un maison peu. Perdue. C'est bien de l'adapter à cette présentation, c'était très sympa. Vous aimez les tisaneurs aussi, des références en tisane, c'est qui vos tisaneurs préférés à La Réunion? Ben, Kakouk. Kakouk, mais voilà. Après, je peux pas dire aussi, tout le monde, parce que là, sinon, si j'en oublie un, c'est fini, là, plus de MT180, plus de thèse, c'est rien, là. Oui, il y a des tisanes qui vont mieux pas boire, hein, c'est ça? Donc on va dire, je les aime tous, j'aime toutes les tisanes, je travaille en toute transparence et tout. Non, ça va, hein, j'aime tout le monde. La tisane de la paix. Merci, Héloïse, j'ai couru. Merci. C'est le dernier candidat, déjà. Hein, ça va nous manquer. Maxime Chaput. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Oula, vous venez de l'unité de recherche. Oui. Non, je parle trop fort, c'est pour ça. C'est, vous venez de l'unité de recherche recyclage et risque. C'est ça. Et vous travaillez sur la modélisation de l'efficience azotée des agroécosystèmes caniers, application à la gestion intégrée des produits résiduaires organiques sur un territoire de La Réunion. On va tout comprendre dans un instant. Exactement. Que mangent les plantes? On sait qu'elles prennent le carbone de l'air, l'eau de la terre, mais que contiennent les engrais qui leur sont nécessaires? C'est l'azote, un atome indispensable pour que la production soit croissante. Et bien que dans l'air, il soit majoritaire, il serait polluant d'essayer de l'extraire.
Alors, y aurait-il une autre façon d'obtenir ces engrais azotés? Oui. Il suffit que nos déchets organiques soient recyclés. Nos toilettes ou nos déchets agricoles pourraient très bien nourrir nos sols. Enfin, si nous savons les épandre. Car dans le cas contraire, il serait sûrement plus écologique d'en faire des cendres. Vous vous en doutez. C'est là que ma thèse arrive pour vous sauver. En tout cas, pour bien épandre ces déchets transformés. Alors oui, je dis transformés, hein, parce qu'il est hors de question que le contenu de vos toilettes finisse dans ma nourriture sans que ce soit transformé, qu'on est bien d'accord. En tout cas, le concept de ma thèse est de simuler la distribution de ces déchets et engrais sur l'île de la Réunion, tout en évaluant les risques de pollution dans les champs. Et bien évidemment, chaque engrais a ses spécificités. Mais bon, c'est tout un boulot. C'est pour ça que je me suis basé que sur une plante. Mais la plus gourmande et la plus utilisée à La Réunion, la canne à sucre. Gourmande, oui, mais pas boulimique. Un excès d'engrais ne serait pas absorbé. Alors, avec mes collègues, nous avons mesuré ces fameux excès d'engrais et savoir ce qu'ils devenaient dans les champs pour chaque type d'engrais. Et grâce à un programme, je pouvais alors simuler la production de la canne à sucre et le devenir de l'azote. Sauf que malheureusement, ce programme, il est comme moi, il est métropolitain. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas grand-chose à la canne à sucre, et encore moins sur les îles tropicales. Alors, il avait besoin de connaissances scientifiques et de nos données pour que je lui fasse un entraînement pour qu'il devienne le top de la simulation canne à sucre. Mais il pourrait alors, à partir de là, discuter avec un autre programme qui fait de la distribution de canne à sucre. Alors pour ça, il se base sur les qualités et les caractéristiques des agriculteurs et des producteurs de déchets. Aussi, il diminue les transports au maximum possible. Et je pourrais alors, avec les deux programmes, pouvoir créer un plan de distribution pour les agriculteurs. Car si mes solutions sont virtuelles, elles servent bien à des problèmes réels. Maxime Chaput, merci. Le dixième et dernier candidat, vous avez tous bien pris des notes pour vous souvenir d'eux et de ce qu'ils ont raconté, de ce qu'ils ont décrit. Une question piège pour le dernier. Allez, vas-y. Évidemment. Réponse en moins de 180 secondes, évidemment aussi, même encore plus court si possible. Est-ce que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison? Ah. Bah, vu que je vais parler en dernier, je vais dire que oui. Bah, voilà. Merci, Maxime. Merci à toi. Et merci à tous les candidats. On peut les applaudir tous très fort. Ils sont en coulisses, mais ils vous entendent. On les remercie tous parce qu'on a appris des choses ce soir. Je vais inviter maintenant eh bien, le jury à se rendre dans la salle des délibérations où ils seront pas du tout à la clim, complètement au chaud. Ça va chauffer. Il va falloir réfléchir, pondérer, chercher à savoir. Et puis je vais vous inviter, vous public, aussi à délibérer chacun en conscience. En prenant votre petit jeton et en allant, donc comme prévu, voter pour votre candidat favori dans le hall. On fait donc une petite pause à ce moment-là. On se retrouve, je vous propose, dans une demi-heure, aux alentours de 20h. Si tout le monde est là à 20h, on pourra vite recommencer. Merci, à tout à l'heure. h 10, pétante. On peut recommencer. C'est la deuxième partie de la soirée. C'est toujours la meilleure, hein, la deuxième partie d'une soirée. Là, en l'occurrence, c'est celle de la remise des prix et accessoirement celle des discours. On sait que ça peut parfois être un peu laborieux, ennuyeux.
mieux. Mais là, non, ce ne sera pas le cas, parce qu'on a un engagement, ces discours, ils vont être courts. Discours, courts. Je demande tout de suite à Marjolaine Roche de monter sur scène. Marjolaine Roche, qui est... chargée de mission écosystème RDI à l'Université de La Réunion et qui s'est saisie du micro jaune. Voilà. Deux secondes, non, 180, pas plus. Voilà. C'est ça, il y a un petit bouton rouge, et on appuie et normalement là ça marche. Dans deux secondes, il faut lui laisser le temps de s'activer. Voilà. Voilà. Merci. Marjolaine, vous avez un challenge, hein, c'est le même que celui des étudiants, c'est 180 secondes. On va le déclencher aussi. Hein, un petit discours, vite fait. Bonsoir à tous. Ce soir, je représente le président de l'université ainsi que le président du CAC, donc messieurs Miranville et Lajoie. C'était un plaisir pour moi parce que je n'ai pas eu le temps de faire, j'ai jamais fait durant ma thèse l'EMT 180, donc it's now. Alors, je souhaite remercier tout d'abord Madame la vice-présidente Marilyn Soubadou d'être là avec nous ce soir. Je remercie... chaleureusement vraiment les candidats qui sont venus parce que au départ je pense qu'ils ne voulaient pas faire théâtre comme enseignement et du coup le fait qu'ils l'aient fait, je suis vraiment très fière d'eux et de voir aussi les différents laboratoires représentés. J'espère que l'année prochaine ils le seront tous. Donc ensuite, je remercie aussi nos étudiants de licence professionnelle, métier de la communication et du diplôme universitaire Sciences Plus de la Faculté de Sciences et Technologies. Merci à eux pour l'organisation. Il y a cette année un prix Ploqueus, qui est un titre honorifique qui est décerné par des autres étudiants. Ce prix a été proposé par M. Silver Pasquier, qui est un étudiant en stage au service de la méditation scientifique avec Mme Letellier. Donc merci à lui et merci aux étudiants pour ce titre-là qui va être décerné. Donc maintenant, je passe à ce que je voulais vraiment dire. Alors, les doctorants représentent les forces vives de la recherche. À La Réunion, vous êtes 280 inscrits dans deux écoles doctorales. Transmettre nos résultats de recherche est un souhait, je pense, de tout chercheur. Nous travaillons au but commun de mieux connaître notre milieu ainsi que nous-mêmes. Ces connaissances ne sont pas assez divulguées et ne dépassent pas souvent la sphère des chercheurs et des initiés. C'est à nous, chercheurs et doctorants, de nous-mêmes aller expliquer nos résultats, nos conclusions à la société directement. Ainsi, le message n'est pas transformé. Nos concitoyens sont tous à même de comprendre nos recherches si on se donne la peine de les expliquer simplement. Et c'est pourquoi ce soir, cet événement est très important. Donc je félicite à nouveau les 10 candidats pour avoir fait ce travail. En ce week-end dédié aux droits des femmes, je terminerai en disant à nos ambassadeurs que c'est vous qui, par votre mixité en termes de recherche, de culture et de genre, êtes l'avenir. Construisez votre avenir en n'ayant peur de rien, sans barrière d'aucune sorte. Et vous, mesdames, ne vous freinez pas, car tout est possible du moment que l'on y croit. C'est à nous de tout changer, de changer notre vision des choses pour que l'égalité soit naturelle et non un but à atteindre. Je vous remercie. Ouhou. Avec 15 secondes de rab. Marjolaine Roche, bravo. Merci beaucoup. On a noté un petit côté TGV sur la fin quand même. Hein, ça partait vite. Hein. Ouais, mais bon, c'est le jeu. Merci de cette accélération. Bienvenue. Je demande maintenant à Marilyn Soubadou, qui a été déjà remerciée de venir sur scène, vraiment pour nous exprimer le point de vue des officiels du conseil départemental, puisque Marilyn Soubadou est vice-présidente de ce conseil départemental. Alors, le micro a été éteint un peu trop vite, ça y est, il remarche. Ah. C'est bon. Est-ce que vous voulez que je tienne? Ça va. Oh non. Pour vous, la contrainte est exactement la même.
La contrainte est exactement la même, 180 secondes, ça vous va? On y va dans le micro? Tout à fait. Allez. Madame la représentante du président de l'université, mesdames et messieurs, chers doctorants, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce soir et j'excuse tout d'abord le président Cyril Melchior qui ne peut être présent. Je tiens tout d'abord en son nom et au nom de l'ensemble des collègues du département à vous exprimer, messieurs, dames, tous nos voeux de pleine réussite dans ce concours ô combien exigeant, tant dans la conception de votre présentation que dans l'éloquence même dont vous devez faire preuve. Ma thèse en 180 secondes, c'est, je pense, davantage un concours qu'un concours. C'est l'histoire, tout simplement, d'une part importante de votre vie, toutes ces années consacrées à la recherche. Je tiens d'ailleurs à saluer les équipes de l'école doctorale qui s'efforcent à vous accompagner au mieux tout au long de votre parcours. L'aventure doctorale est un véritable partage, je dirais même une transmission de connaissances, de savoir-faire, de méthodes, l'occasion pour la Réunion des doctorants de montrer tout son talent, son envie d'excellence et de réussite. Cette envie d'excellence et de réussite, nous sommes extrêmement soucieux au département de la préserver, la soutenir, de l'encourager. C'est la raison pour laquelle notre collectivité défend la nécessité d'accompagner les étudiants réunionnais tout au long de leur parcours qui doit les mener vers la réussite et l'excellence. Un accompagnement qui se traduit par un dispositif unique en France, la bourse départementale, qui bénéficie chaque année à plus de 12 000 étudiants réunionnais. Parmi vous, très certainement, plusieurs ont bénéficié de ce dispositif de solidarité. Nous en sommes très fiers du chemin que vous avez pu parcourir pour atteindre ce doctorat. Cela démontre toute la pertinence de cette mesure qui a permis, ces dernières décennies, à de nombreux réunionnais de se former, de réussir et de s'insérer durablement dans la vie active. Aussi, en ce jour de finale, permettez-moi de réaffirmer avec force et ferveur que le département sera toujours à vos côtés, car vous êtes l'expression du génie réunionnais, de cette capacité à se transcender pour réussir, pour illuminer notre territoire et la jeunesse réunionnaise. Votre participation à ce concours aujourd'hui en est la plus belle illustration. Je vous remercie et j'aimerais dire à tous ceux que je viens de voir sur votre prestation, vous avez été formidables. Il va falloir départager. Je suis sûre que vous êtes tous de grands gagnants. Mais bon, le jeu veut qu'on donne un gagnant. Mais vous êtes tous de grands gagnants. En tous les cas, je vous souhaite de réussir. Bravo à tous. Merci. Merci Marine Soubadou. Merci pour ces paroles parce que c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai et tous les candidats sont un peu gagnants ce soir. C'est vraiment comme dans l'école des fans, en fait. Merci. Mais vous avez raison, à la suite des réjouissances, parce que ça, c'était déjà des réjouissances, mais les vraies réjouissances, c'est maintenant, c'est la remise des prix. Et on va commencer par ce nouveau prix, ce fameux nouveau prix dont je vous parlais tout à l'heure, le prix du jury étudiant, appelé prix Plokeus. Et j'appelle pour cela les trois étudiants à venir me rejoindre. Merci. Alors, je vais prendre un micro. Hop. On ne devrait peut-être pas les éteindre à chaque fois. Si, ils avaient l'air éteints. Messieurs, alors, il y a donc trois étudiants. Normalement, il y en avait cinq. Il y en a deux qui ont dû s'absenter un petit peu plus tôt, mais ils ont participé aux délibérations. Donc, c'était une délibération à cinq entre Marvin Ramos-Hu, ici présent, entre Jordan Laipé, David Joliot et donc Laura Waro et Ahmed Souban qui sont partis. Dites-moi, d'abord, ce prix nouveau du jury étudiant, il s'appelle le prix Plokeus. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire ce que ça veut dire Plokeus? Est-ce que c'est un nom de Pokémon? Alors, absolument pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est tout simplement le tisserin. Donc ce petit oiseau qui construit un nid. Et on a décidé de choisir ce nom parce qu'on considère que eh bien, le travail des thèses eh bien, peut être comparé à la construction de ce nid. D'accord.
Le tisserin, c'est un oiseau qu'on trouve à La Réunion, on est bien oui, d'accord. Effectivement, hein, on trouve beaucoup. On peut le voir, donc c'est. On peut le voir, on peut l'apercevoir, et ses nids, c'est un peu particulier. Oui, exactement, ils sont suspendus, par exemple, sur des bambous et. Pardon ? C'est les oiseaux béliers, comme le dit mon camarade Marvin. Voilà, donc Plokeus, oiseau bélier. Bon, ce prix étudiant, on sait le prix du public, hein, vous avez voté tout à l'heure pour vos candidats préférés, les scientifiques, le monde professionnel a aussi voté, va attribuer un prix différemment, avec ses propres références. Vous, c'était quoi vos références pour attribuer ce prix ? Eh bien, on avait une grille de notation avec, par exemple, l'élocution, l'originalité, également un point sur le discours, et je ne me souviens plus des deux autres, malheureusement. Oui, parce que je comprends effectivement la gestion du stress les thésards ont dû démontrer, et je suis exactement dans le même cas, donc voilà. Le fait d'être étudiant comme eux, est-ce que ça change quelque chose quand même ? Déjà, on a beaucoup moins d'études. Un petit peu. Un petit peu moins, vu que je suis en deuxième année de biologie. Mais en dehors de ça, je pense que c'est une opportunité qu'il faut saisir de s'exprimer en public parce qu'on en a besoin de plus en plus. D'accord. C'est le moment fatidique, le moment où on ouvre l'enveloppe. Tintin. Qui est-ce qui l'ouvre ? C'est moi qui l'ouvre et puis je vous donne le papier ? Très bien. Allez, on fait ça. Et le prix du jury étudiant Plokeus est attribué à... Héloïse Chécoury. Montez, Héloïse. Bravo. Vous allez pouvoir le mettre au-dessus du lit pour le regarder tous les soirs. Un petit peu. Vous allez pouvoir le montrer à tout le monde, ce prix. Je crois qu'il y a... Voilà. Ça va être une grande fierté, hein, je présume. Qu'est-ce que vous... Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence ? J'en ai aucune idée. La seule différence, c'est qu'ils ont préféré ce que j'ai fait. Je ne sais pas trop, mais si ça a plu, ben, tant mieux. Très bien. On peut les remercier peut-être. Oui, merci à tous. Merci. Ah oui, et... je sais ce qu'ils ont préféré, peut-être la moustache. Mais voilà. Est-ce que le public aussi a apprécié les tisanes ? Il y a beaucoup de buveurs de tisanes ? Oui, voilà, ils sont là. Merci beaucoup, bravo. Et puis, on va faire des petites photos. Photo avec le jury, normalement, c'est maintenant, on fait une petite photo. Allez, approchez-vous un peu à la lumière, oui, parce que c'est vrai qu'on n'était pas vraiment dans la lumière. Merci beaucoup aux trois membres du jury et au jury dans son ensemble. On va pouvoir continuer. Ah, il y a des photos pirates derrière. Des paparazzi. J'ai rien contre les Italiens. Hein. Je précise quand même. Il y a un deuxième prix, mais c'est peut-être le prix principal. Oh, non, je ne sais pas. Prix du public, prix professionnel, on ne sait pas trop. Les deux sont importants, non ? En tout cas, il y a un jury professionnel. On va le rappeler, ce jury professionnel. Je vais lui demander de monter sur scène. Et effectivement, les applaudissements sont mérités. Les applaudissements sont mérités. Parce que c'était pas facile C'était pas facile de délibérer. Je rappelle ce jury, il est composé de la présidente Aline Pelletier,
directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Il est aussi composé d'Anne-Laure Morel, la présidente de la start-up Torscal. Également dans ce jury, Olivier Danguillaume, journaliste au quotidien de La Réunion. Gaël Potin, directeur du Muséum d'histoire naturelle de La Réunion. Et Norbert Naranin, circassien de la compagnie Cirque et Craqué. Donc, c'était quoi le rôle de ce jury ? Bon, allez, peut-être pas Aline Pelletier, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Anne-Laure Morel, comment vous l'avez senti, ce rôle ? Alors, en fait, ça n'a pas été simple, parce que tous les candidats étaient bien évidemment excellents, c'est ce qui a été dit à l'instant. Ça a été évalué, en fait, selon deux principaux critères, donc l'éloquence et la médiation. Donc, voilà, on a attribué des points... Peut-être que vous allez pouvoir nous dire, monsieur Danguillaume, si c'était serré. Non. Non, ça n'était pas serré, au moins la question. C'est le problème des questions fermées, c'est que les réponses sont courtes. Enfin, ça rentre en 180 secondes, du coup. Qu'est-ce qui... Voilà, si c'était court, ça veut dire que c'était unanime, peut-être ? Il me semble que le premier prix est unanime, oui. Ah, et alors, le deuxième prix, il est unanime aussi, pas du tout ? Un peu pas mal, ouais, quand même. Ah ouais, donc voilà, on sait déjà, petit indice, que ces prix seront non contestables, c'est ça ? Voilà. Je vous remercie beaucoup. Vous allez pouvoir, tout de suite après avoir fait une photo, parce que évidemment, faire une petite photo des membres du jury, rejoindre vos places ensuite, et puis... L'un de vous, en l'occurrence l'une de vous, la présidente, reviendra tout à l'heure nous offrir le nom du grand gagnant. Merci beaucoup à tous. Parce qu'on va faire les choses dans l'ordre, vous savez, c'est croissant. Donc on va commencer par le deuxième prix du jury. Et pour le remettre, je vais rappeler celle qui l'a gagné l'an passé, à savoir Annabelle Céleste. Merci de commenter. Alors, est-ce que vous avez l'enveloppe ? Non, c'est pas celle-là. Voilà, l'enveloppe du prix, deuxième prix du jury, je vous la remets. Annabelle Céleste, vous êtes la gagnante de l'an passé. On se souvient que vous étiez une passionnée de géopolitique, c'est ça ? Toujours. Oui. Toujours fan de Bernard Guetta ? Oui, toujours fan de Bernard. Ah, ça ne marche plus, c'est à nouveau éteint. Allez, on va y arriver. Oui. Ça y est. Oui. Toujours fan de Bernard Guetta, en tout cas de son travail en tant que géopoliticien et journaliste. Maintenant, on sait qu'il est parti vers d'autres horizons. Des horizons un peu plus politiques, c'est ça ? Préfère ne pas me tenir au courant de ce qu'il fait, à part ses livres sur la géopolitique, justement. Vous êtes devenu fan de Pieraski, alors ? Moins. Non, j'aime bien Pieraski, mais j'ai maintenant ma préférence à Anthony Bélanger. Ah ben voilà, très bien. Histoire du monde. Annabelle, il va falloir ouvrir l'enveloppe et nous dire qui remporte ce deuxième prix du jury avec peut-être la possibilité, comme vous, de partir à Paris comme l'an dernier. Il y a une condition, ce serait que le premier prix du jury et le prix du public soient coordonnés. Sinon, ce sera le deuxième prix, ce qui est déjà très bien. Ce deuxième prix du jury est pour... Alors, ce deuxième prix du jury est pour Héloïse Chekouri. Bon. C'est donc déjà un doublé. C'est déjà un doublé, mais alors cette fois, il y a une petite récompense en plus. Une petite aide pour la suite des études. C'est beaucoup plus petit cette année. Mais ouais. Le montant est resté le même. Mais ce genre de fac-similé, quand même, on a tous rêvé d'en avoir un. Vous savez, c'est les mêmes qu'il y avait quand on était gagnant du loto.
on fait la photo comme ça dans la presse. Bravo Héloïse. C'est le deuxième prix, on verra s'il y en a un troisième, c'est encore possible. Je ne sais pas si les chèques sont cumulables en revanche, hein. Je ne suis pas sûr. Si les chèques sont cumulables, il y a Maxima, il peut le dire. Hein, Bon, c'est pas formidable, ou pas. Merci Héloïse, la petite photo est faite. Allez, on s'approche un peu pour immortaliser, s'il vous plaît, avec... Venez. La gagnante de l'an passé et celle de cette année du deuxième prix du jury. Bon, maintenant, c'est votre prix. C'est le prix du public. C'est le prix... C'est pas le 50-50. C'est pas l'appel à un ami. C'est le bon prix du jury. Et pour le remettre, j'appelle Maximin Bonnet, qui l'avait gagné l'an dernier, mais qui n'avait pas gagné que ça. Il avait aussi gagné le premier prix du jury. Maximin Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche ? Alors, oui. Le vainqueur du premier prix du jury va partir à Paris, comme vous, l'an passé. Comment ça s'est passé, cette deuxième manche, enfin la manche suivante, en tout cas la demi-finale. Racontez-nous un peu. Alors, plus difficile qu'ici ? Plus difficile, je pense. Pas forcément, parce qu'on a fait le même discours. Après, très intéressant, parce que ça permet de rencontrer des gens qui travaillent sur des sujets très divers de toute la France. Donc voilà, il faut vivre ça comme l'occasion de rencontrer des doctorants de partout et pas y aller avec la pression. Vous êtes revenu avec des contacts. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. On va voir qui maintenant est dans cette position de vainqueur du prix du jury. C'est toujours... Prix du public. Prix du public, pardon. Oui, prix du public, qui est toujours un prix très, très sympa à recevoir. Hein, parce que ça veut dire qu'on a convaincu son public. Et comme le jeu, c'est justement de s'exprimer en public, avoir le prix du public, c'est quand même... très intéressant. Bon, oui, j'ai vu. Ah là là, j'ai vu. Alors cette année, à ma grande surprise, le prix du public est décerné à Héloïse Chekouri. Et voilà. Ah là 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 là. Ouais. Une chose est certaine. Elle va peut-être pas avoir de place assez sur ses murs. Faut pas te rasseoir, hein. Bravo. Et donc c'est cumulable. Elle a essayé d'y échapper en allant s'asseoir à chaque fois, mais... Alors il y a une bonne nouvelle, elle pourra pas avoir le quatrième. Hein. Sinon tu rafles tout, ça va Après vous me laissez m'asseoir. Oui, voilà, c'est bon. Une photo et puis après vous pouvez vous asseoir. Voilà. Comme elle ne s'y attendait pas dès la première récompense, on ne va pas lui reposer la question, alors vous vous y attendiez, non ? On va pouvoir passer au tout dernier moment important, c'est le premier prix du jury, forcément. Il y a beaucoup de suspense sur le premier prix du jury, vous savez, c'est toujours un peu comme à Miss France. Quand on a le premier prix du jury, il y a des déçus. Et puis il y a un grand vainqueur ou une grande vainqueur. Aline Pelletier, je vous invite, venez nous dire, nous délivrer, les délivrer, leur dire comment... On ouvre tout de suite. On va pas tarder, on va pas faire languir trop. Alors, je voudrais dire quand même qu'entre les deux premiers prix, c'était quand même difficile de choisir. Voilà, bon, bah, de toute façon, ils partiront tous les deux à Paris. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, pas de déçu. Et donc, le premier prix du jury a été attribué à Hassina Niamar Osanamena. Bravo, Hassina. Y a de l'émotion, là, je pense. Il y a beaucoup d'émotions.
Bravo, Assina. Faut pas pleurer. C'est mérité. On respire. Sophrologie. Méditation. Tranquillité. Comment ça s'est passé? Parce que on n'a pas le droit de vous demander trop vos impressions tout de suite après, pour ne pas influencer le jury ni le public. Mais tout de suite après votre performance, vous étiez confiante? Moi, j'en ai des frissons, là. Ça tombe bien, parce que nous, on n'en a pas des frissons, là. En fait, merci beaucoup. Je me suis sentie bien en partant faire ma présentation, parce qu'en fait, il y avait ces candidats, il y avait particulièrement Maximin, il y avait Ophélie, avec qui j'ai fait, allez, on va faire des respirations pour voilà. Que je me sente bien. C'était pas perdu. Du coup, merci beaucoup, c'est très gentil. Et oui, D'accord, donc. Ah, le souffle est coupé. Ah. Applaudissez-la. Comme il se doit. Elle n'a pas suivi de formation. Comment ça? Elle n'a pas eu de formation en plus. Ah. Clic-clac, c'est dans la boîte. Bravo, merci beaucoup. Allez, une dernière belle ovation pour le jury. Je vous propose à tous les lauréats de monter sur scène. Donc ça va être vite fait. D'abord les lauréats, donc juste, voilà, revenez, toutes les deux, voilà. Il pouvait y en avoir jusqu'à 4. Hein. Il y en a 2, elles sont là. On les félicite. Voilà. Elle en a plein les bras, chargées, avancées. Montrez-vous. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Parce que tout ce public a apprécié. Et tout ce public vous remercie. C'était très bien. Et maintenant, je vais demander à tous les candidats de venir pour la photo, parce que voilà, tout le monde a participé. Et c'est vrai qu'il y en a compris le gros nounours de l'école des fans. Mais il y a d'autres cadeaux, notamment le fait d'être pris en photo tous ensemble, parce que c'était une belle équipe aussi. C'était un groupe qui a travaillé et qui s'est fait plaisir. Je pense que tout le monde s'en souviendra. Allez, avancez. Saluez comme au théâtre. Merci à tous. Ah, un petit mot. Il y en a un qui veut parler. Allez. On aimerait juste appeler Monsieur Benoît. On voulait que vous veniez juste. Allez, oui. Oui, parce qu'ils ont une petite aide pour bien savoir s'exprimer sur la scène. Et c'est vrai que c'était important. On voulait juste vous transmettre un message. Pour vous dire qu'on remerciait beaucoup, je me permets de parler, on m'a lancé un message, alors c'est moi qui m'exprime à la place de tout le monde. On remercie bien sûr Benoît, on remercie Christelle, et bien sûr Silver, pour nous avoir guidés, nous avoir menés jusqu'ici aujourd'hui. Merci pour leur bienveillance dans les moments de doute, dans les moments difficiles, et leurs conseils qui ont toujours été judicieux. Voilà, on voulait vraiment les remercier. Question. Est-ce que par hasard, les deux directeurs de recherche des lauréates sont dans la salle? Ils sont là? Ouais. Alors c'est le moment de monter.
Vous êtes directeur de recherche de ces deux-là ? Un peu de fierté, je pense. Bah, beaucoup de fierté, bien sûr, parce que je suis directeur de thèse et directeur du labo, donc c'est une vraie fierté d'avoir ces deux éléments parmi nous qui bon, elles font pas d'aussi bonnes présentations. Elles ne sont pas aussi bien soignées, je vais dire, dans le labo, et elles, bon durent, à chaque fois. Elles durent un peu plus longtemps. Mais félicitations à eux deux, mais à tout le monde, parce que vous étiez tous très très brillants. Et bon voyage à Paris pour ceux qui vont à Paris. Hein. Super. C'était l'enjeu principal. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, merci à toutes les équipes qui ont organisé cette soirée. C'était assez intense à organiser. Donc je pense qu'on peut une dernière fois faire une grande salve d'applaudissements. Je voudrais juste te dire une dernière chose. Quand j'étais petit, que j'apprenais quelque chose et que je devais faire une tête un petit peu bizarre, ma grand-mère me disait « Bah, tu te coucheras moins bête ce soir. » Je pense que ce soir, on se couchera tous moins bête. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Si vous avez apprécié, vous apprécierez encore. Merci. Bonne soirée.